Verrier. Du moins, s'il en reste, ça se bien entendre. Oui, vraiment, Fiob, j'ai été ébloui par ton discours que tu as prononcé sans lire et sans barbouiller. Quand j'ai écouté ces merveilleux vers que tu as prononcés à la fin, je me suis dit, oui, vraiment, quand on écoute ces vers, on comprend pourquoi on a besoin de poètes. Cela dit, si j'avais besoin d'un avocat, je pense que c'est à toi que je m'adresserais, comme tellement ta plaidoirie, non, pardon, ton réquisitoire prononcé contre moi a été fervent, pertinent et digne du peuple de Verrier ici rassemblé. C'est vrai que dès que tu as parlé de Vandame à propos de ma pensée philosophique, j'ai compris que ce ne serait pas du gâteau. C'est vrai que lorsque tu as rappelé combien de disques j'avais vendus, non pas 15 comme tu as dit, mais 22 millions, mais qui le sait. Intelligent derrière toi. C'est vrai que là, maintenant, à ce point où j'en suis de ma réponse, je suis obligé de dire malgré tout que tu représentes la gloire et l'honneur de la France, c'est-à-dire cette faculté d'accueillir ces étrangers. En étant, j'ai été bâillonné, mais je veux le dire devant cette glorieuse assemblée, les Coréens, oui, les Coréens sont des gens bons. D'ailleurs, nous allons arrêter les banalités. Je ne te parlerai pas de ce que tu as oublié de dire sur mon commentaire philosophique sur l'échelle des peines, qui est dur à gravir. C'est à propos de ce que je disais qui finalement était une sorte de réflexion sur Jean-Jacques Rousseau et ce qu'on appelle à tort l'égalité en droit, mais je ne vais pas faire un cours de droit, je n'en ai pas le temps. Je veux simplement dire, ce qui m'attache à toi, au-delà de cette joute sympathique orale, un petit peu morale, puisqu'elle te donne l'avantage sur moi, que je vais sur ton terrain, je veux parler de football, bien sûr. La Corée, oui. Il faut rappeler l'histoire glorieuse qui rattache la France à la Corée. L'histoire dont je tiens à dire devant cette assemblée illustre, qui comme les assemblées illustres ont ceci d'illustre et de magnifique et de rare, et si elles sont illustres, c'est parce qu'elles sont composées d'inconnus. Je voudrais dire simplement que cette histoire entre la France et la Corée, je ne la connais pas du tout. Et c'est ce qui fait qu'au lieu de rendre la parole demain matin, je vais la rendre dans une minute. Et je vais la rendre non sans vous rappeler ce qui m'attache à la Corée, car oui, je suis parti un jour là-bas pour encourager l'équipe de France. Et je me suis retrouvé à la petite finale, au cœur du COP des ultra-supporters de l'équipe de Corée, puisque la France est éliminée au premier tour. Ça m'a permis, non pas de parfaire mes connaissances historiques, mais de parfaire mes connaissances hystériques. Car quand on est dans un COP, dans un stade de foot, oui, on peut parler d'hystérie. Et je ne peux pas rendre la parole avant d'avoir partagé avec vous cette émotion, l'émotion du chant en coréen. Donc je vous avertis que ça va être très très dur, ça va être un moment très difficile. Mais il ne fallait pas m'inviter. D'abord, simplement, j'ai amené mon conseil avec moi. Non, je vous dis pas, c'est pas dit, il m'a dit en coréen, fais court, Francis, fais court. C'est une chanson, quand je vous la dis, est
paroles d'abord, hein, je traduis en français d'abord, et puis après. Des paroles vraiment pleines d'émotions. Excuse-moi, mais Cyril, mais tu vois, je ne peux pas m'empêcher de chialer. C'est parce que si je prends mon inspiration dans la chanson coréenne qui dit à propos des collines d'Annie Lang, c'est une chanson d'amour hein, en coréen. On veut dire que c'est vraiment l'hôpital qui fout de la charité. Les paroles disent si tu t'éloignes de 5 pas et de moi, sur les forêts d'Aïlande, tu ne feras pas 5 pas avant de tomber mort par terre. Mais si tu restes près de moi, tu vivras toute la vie. Et là, vous êtes concernés. Donc, comme je ne vais pas vous apprendre les paroles et que je dois rendre la parole, je vais simplement vous demander, après avoir glorieusement tapé des mains, de chanter simplement la la la, qui est une façon de chanter en coréen sans trop se mouiller. Donc je chante une fois et ensuite vous enchaînez, bon, on verra bien, hein. Le premier à arriver à la coda attend les autres.